Et voici la fiancée de... Bon. Ah. Courtil 08 17. Voilà, dans la classe, ça le mettait pas si mal, hein. Ça le mettait 1, 2, 3, 4ème de classe. Allez, Eric Chassagnol, c'est mieux, 06 48. Go. Martial, troisième du groupe, deuxième de classe à marquer. 12-02. Le temps de remade. Donc. A cassé. Alors là. Ah, Christophe Bois, 0-7-0-9 tout à l'heure. Vous mettez le troisième temps de la classe. 1-0-1-72, son temps de tout à l'heure. À la barre, 1-0-6-68. Des petits problèmes de cardio certainement. Le numéro 58. Ah, j'ai pas le pin de Roger Brun. 56-77, le deuxième temps scratch. Préparation de Tony. Ah, qui nous a fait une super saison. C'est mieux, mais il s'est fait déjà passer par Chassagnol, ça c'est sûr déjà maintenant. 45 maintenant, Taxi de la Ferréol, le deuxième temps du groupe. Et c'est parti pour Maximilien Ferréol. Le 44 maintenant avec Geoffrey Porte. Le temps de Patty Chapin, 1-0-0-23. Allez, bon, pour l'instant, là. Et 57-19, c'est moins bien. Allez, une autre chose, donc souci de mécanique tout à l'heure. Et ça refait. Le temps de Maximilien Ferréol, 1-0-3-38, il l'améliore. Ah, Patrick Boissadi est arrêté pour la mécanique, la voiture ne gêne pas. Donc on continue dans le chemin. Vainqueur la semaine dernière. Voilà, plus pilote de rallye que de côte, mais on a vu qu'en côte, eh bien ici, il avait justement bien roulé sur la 309 du Père, en terminant d'ailleurs deuxième de groupe en 2015. Un peu au ralenti, une 15-05.
troisième place, voire la deuxième, mais pas si loin. Une 1,77, une 0,777 pour la Saxo BTS. Le temps de Julien Ponty. C'est donc le meilleur temps du groupe de la carrosserie Trévis, du relais de l'Impérial et de l'SJE Auto à jumeaux. La Clio RS Royalty, le temps de Christophe Tixier, 1,0746. C'est vraiment bien. Donc Poplin peut venir chercher peut-être la première place. Allez, Gamma et Bayou, c'est le duel du groupe N. Il faut se méfier encore de Mathieu Liondo et de Marco Rodriguez Gaspard. On sait qu'il y a deux cette année, on fait des super-fers. Et le voilà justement Mathieu Liondo de la Sud-1. Il n'améliore pas non plus. Ah bah lui aussi pour 2 dixièmes. 22 centièmes exactement. Pas de jardin, ouais, 2001. Thierry Alliran, aux couleurs de Gatspub, de la maçonnerie Faber, l'établissement d'Arcabouzi. Alors le temps de Roger 1,70, ça devrait normalement tomber. Le train de Marco Rodriguez Gaspard, 1,0743. 3 dixièmes, 1,0743. Oui, il est tombé en panne d'essence. Voilà. Donc du coup l'assistance va se mettre en tutu. Et le 24 maintenant sur la ligne de départ avec Jean-Paul Fell, le 4e de groupe et le 3e temps de classe. Pas très loin de Sébastien Couteau. Même temps. Au 5e. Allez, on donne un petit coup de ballon. Donc, le premier temps. Marc Abouzi qui l'a, 59-02. Bon, il ne va pas être battu aujourd'hui. Tout à l'heure, 1,0178. Pour le sociétaire de la Zaka. Allez, j'entends le Lumière, j'améliore de 1 seconde, 6, 1, 10, 11. Une 10, 0, 7. D'ailleurs, il y a le site internet, hein, www.garagetierce.com. Tout se tient entre garage et tierce. Le temps de Jean-Paul Fell. Ça améliore. Jean-Marie Young avec la Belgique numéro 18. Avec la Belgique. Une 15-75. Le voilà. Allez, lui attendez, première montée d'essai. Jean-Marie Autuche. Donc il a déjà battu le record. Hein, ça c'est fait. 54-70 pour Laurent Lafosse. Bah, qui reste derrière la fille. C'est bien intéressant. L'autant de Jean-Marie Young qui n'améliore pas. Et Jackie Ponty étant 55-50. Ouais, ça un petit peu déjà, puisque l'Astier est maintenant en 54-61. On va les essayer tout à l'heure. En 50-56, lui qui a gagné à Contrès cette année, 53-54. C'est parti, le temps
Et puis on attend le temps de le gléonce et de le coucher. On finit par avec le but. Partir, regarde, de là jusqu'au...